Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve donc pour la suite de notre exploration et ben de l'organisation sous le barrage des Xénon, afin de pouvoir retrouver le portail Veine. Alors on avait vu qu'il y avait des mecs qui traînaient dans les couloirs, donc on va essayer d'y aller un peu en mode doucement quand même, si on peut. Nous on est censé aller par là, hein. On va voir si on scanne, on voit pas des trucs intéressants. Non. Visiblement non. Allez, allons-y. Alors à gauche, est-ce qu'il y a des gens cachés? Je dirais pas. Tu sors de là, merci. Alors on a une porte à droite et sinon ça a l'air d'être à peu près calme. Et ben ouvrons cette porte. Il y a masse de monde. Alors on a ici du Xénon lambda et du Xénon lambda, parfait. Alors toi tu vas aller te poser ici. Toi tu vas aller te poser ici. Et nous on va tâcher de faire un petit headshot. Il est en train de se faire une grenade, ce con. C'est votre cible! Compris! Détruisez-le! On vise! Il est à terre! Grenade! Zone nettoyée! Voilà, ça c'est fait. Les petits mecs qui se baladent. Mon dieu, on est en dessous du lac. Vous n'avez vraiment pas envie qu'on trouve ce site, hein? J'espère surtout qu'on l'a trouvé à temps. Si Genesis nous trouve avant qu'on le trouve, tout est fini. Ah oui, bah ne nous inquiétons pas tout de même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une arme. Très bien, sinon rien de trop intéressant. Ouais, je t'en ai vite fait. Qu'est-ce que c'est de beau? Alors, un fusil de précision, des munitions. A priori, on est blindé. Donc on avance. Alors là on est bien exposé par contre. Oh, on dirait bien la vendeur. Bien joué, Carter. On y est. On a réussi. Alors ils ont jusqu'ici du moins. C'est la prochaine étape du voyage qui m'inquiète. Oui voilà. Attendez, le portail permettait juste de rentrer dans le barrage quoi. Non, bon sang. Le portail Veine, il se referme. Ils l'ont désactivé. Où ça? Pas de panique. Carter, le système qui contrôle le portail Veine est quelque part dans cette salle. Je m'en occupe. Putain, c'est classe, les mecs, ils ont fait un champ de force qui empêche l'autre de tomber, quoi. C'est quand même assez beau. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bruits? Ça va forcément partir en sucette à un moment, on est d'accord. Alors là, il y a plein de gens, il y a un drone, des gens qui se pointent en courant. Parfait, parfait. Ok. Mais on peut pas les retirer dessus parce qu'on est derrière. Donc là on descend. C'est parti. Allez, on y est presque. Des spectres. Très bien, où ça? Ouais, ils sont tous là-bas, on est d'accord. Ça c'est quoi? C'est juste des munitions. Ouais. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on se met là. On dit à machin de se mettre là. On dit à machin de se mettre là. Et nous, on vise ce con. Ah, il y a eu le temps de se planquer en forme. Ah merde! La vache, elle était vraiment trop proche la grenade. J'avais pas vu ça comme ça. Ah, puis il y a visiblement. Bordel. Ouais, bah nous aussi on va aller à la grenade. Hein. Alors toi tu sers à rien, donc du coup tu vas aller vite fait t'occuper de ce con. Donc nous on couvre un peu la zone. Hein. Ah bordel. Bah toi tu t'occupes de réanimer machin, oui, vite.
Voilà, et après tu t'occupes de me réanimer moi. Toi tu te plantes ici, et puis tu nous couvres un petit peu s'il te plaît. Voilà, vache, encore des grenades. Courrier ! Je vais me placer en hauteur. Toi tu vas te remettre là. C'est bon, j'y vais. Et après tu vas nous poser une sphère. Il faut absolument qu'on se débarrasse de ce con là. Voilà, ça c'est fait déjà. Pose-nous des stimulants. Toi, je sais pas où tu vas, mais tu restes là. Voilà. Oh bordel, encore des grenades. Ouais, on va y aller nous aussi à grenade parce que c'est un peu merdier là. On est venu vous rendre une petite visite, Trunuc. Ils approchent. Vos ordres. Bah bordel, c'était tendu hein. Bah mes ordres c'est qu'on va attendre 2 secondes. Je suis toujours blessé. On va attendre 2 secondes de regagner de la vie. Il est où le mec? Ah il est merdier là-bas. On est en train de lancer une grenade donc on va attendre qu'elle pète. Voilà. On vient de chercher Genesis, tu m'entends? Ouais, on va chercher, mais en attendant, on se fait un peu défoncer les fesses. Hein. Y a pas quelques trucs à ramasser là? Ouais, des grenades, parfait, c'est toujours ça de prix. Alors. Rechargeons. Allez hop. Voilà, rechargeons ça aussi, on est un peu à sec. On a ce qu'il faut ici. Si je peux prendre, voilà. Bien, bien, bien. Alors, on n'a rien raté, là-bas il y a plein de trucs, qu'est-ce que c'est? Canon plasmique d'assaut. C'est pas la même chose que le mien celui-là. Moi c'est un canon plasmique rotatif, je crois. Voyons ça. Canon plasmique d'assaut. Expédie de puissants tirs de plasma brûlant les cibles à l'impact. J'aime le concept. On va tester ce truc là. On va prendre des petites munitions avant. Voilà. Non, je veux prendre ça, merci. Et je veux des munitions. Alors, par ici, il n'y a rien d'intéressant. Ici, on peut pas y aller. Non, on peut pas y aller. Que dalle. Du coup avançons. Ah, le canon plasmique c'est un petit peu plus précis et sympathique que ce que j'ai l'habitude. Enfin que le canon rotatif qui était certes sympathique mais un peu bourrin quand même. Alors réactivons le portail. C'est là qu'on va les gars, au cœur de leur monde. Alors, l'Avenger. On a une guerre à gagner. Bon travail. Ah merde, maintenant, putain. Remontez à bord, on termine cette mission. La vache, ils arrivent en masse en fait, j'avais pas fait attention du tout à ça. Mettez-moi une sphère bouclier sur ma tronche, par contre. Installez un bouclier. Toi tu cours. Tu te mets. T'as moyen de te mettre là. Genre tu peux pas te mettre là parce qu'il y a une arme par terre, sérieux. C'est des hostiles ici. Ils ont fortifié leur position. Bah oui, des hostiles, en même temps, vous êtes cons quoi. Faites cramer ces fumiers. On va balancer un petit drone. Et puis bah du coup on va s'occuper de ces cons. Putain, ils sont nombreux ces enfoirés. Balancer un petit truc dans la tronche. Toi, tu vas essayer de me faire sortir ce con. Il nous faut un coup de fouet. Donc lui, c'est fait déjà. On se détend, on se détend. Un petit coup de soin. Il reste qui? Il reste lui là-bas.
J'ai fait du soin là, j'ai absolument pas fait soin du soin. En cours. Toi tu restes là, par contre toi tu vas courir un peu parce que t'es un commando, t'es un peu en train de glander à l'arrière. Mettez-vous pour à l'instant. Couvert. Déplacement. Attaquez. Compris. On a percé les boucliers. Allons-y. Voilà. Ça c'est fait. Il nous faut de la. Il nous faut bien de la munition. Joué, Carter. Non, pas ça. On en a pas encore fini. Mais merci. Ils ont des canons plasmiques d'assaut visiblement les mecs hein, parce que c'est des munitions comme ça qu'on ramasse. C'est pour ça qu'ils nous font aussi mal en fait. Allez, rejoignons l'Avenger. C'est parti mon kiki. Donc il est plus ou moins par là l'Avenger si j'ai bien compris. Là, des munitions, parfait. J'aimerais autant aller visiter leur monde en étant blindé. Ah, un schéma de sac tactique, je l'avais pas vu celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Sac d'endurance, augmentation de la santé maximale. Lors d'une réanimation, le porteur est aussi en meilleure santé. Ah, c'est pas mal. Comment on y va? Pas par là, visiblement. Ah, par ici. Allez les gars, go. Et ça y est, on est reparti. Je suis désolé, j'ai un bug, j'ai l'impression que le son du jeu sort par mes enceintes pour une dans les cinématiques, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je bon. Sais pas du tout. Tout le monde se souvient de son rôle. On va au cœur du réseau Mosaïque et on installe l'explosif d'Heinrich. C'est ça. Et pendant que vous faites ça, je m'occupe de Genesis. Rappelez-vous, Carter, l'objectif est d'utiliser l'armature Venn que vous portez pour capturer ce Genesis et le ramener en vie. Je ferai de mon mieux. On a fait pas mal de raffus en franchissant ce portail. Il a raison, Docteur. Genesis sait probablement que nous sommes chez lui, et il va nous chercher. Nous cacher à bord de ce transport attirera moins l'attention. Ouais. En supposant qu'il nous amène là-bas. Ce sera le cas si vous entrez les coordonnées extraites d'Axis dans le panneau de commande. Ouais, et bah écoutez, on va faire ça. Alors, on a plein de nouveaux équipements. Donc notre commando. Je pense que ce qu'on va lui mettre, si on peut, c'est le... Ah, on peut pas. Je voulais lui mettre le canon d'assaut, là. Mais visiblement, on peut pas. Alors, au niveau des sacs... Sac d'efficacité laser, des rafales plus longues, bof. Non, tu vas garder ce que t'as. Toi, est-ce qu'on peut te mettre des trucs? Tu vas peut-être prendre le pistolet laser, hein, finalement. Et par contre, lui, on va lui mettre le sac qui augmente la santé et qui fait qu'il gagne de la santé quand il réanime. Et nous on va garder notre équipement comme ça, ce sera parfait. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oula, il y a plein de trucs. Des pistolets, des armes qui traînent. Très bien. On est classe avec notre petite combinaison spatiale, hein, je trouve. On fait une belle cible, Carter. Maniez-vous d'activer ce panneau de commande. Excellent. Ouais, j'y vais. Il devrait y en avoir un autre. Merde. Je peux pas parler là, Doc. Oula. Ça pue du cul, ça par contre. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça va pas me plaire, je sens. Alors.
pendant qu'il papote. On va se placer. Détruisez ses défenses. Rossi, je me mets en route. Ah putain, il y a un transport d'assaut derrière en plus. Bah feu. Détruisez-le. Bordel. Ah ouais, alors on va. Déploiement de blocs. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Merde, il est parti où ce con? Il s'est barré. Très bien, il s'est barré. Parfait, bah on va quand même faire un petit stimulant au cas où parce que c'est pas, ça sent pâté cette histoire. Ouais, les trucs plasmiques c'est quand même super efficace contre les machins blindés. Ah ok, il se casse. Pose-nous ça toi. Toi tu vas nous faire un petit contrôle mental sur ce con. Installer une protection. Qui est activé. Le bouclier est détruit. Ennemi en approche. Ah putain la vache, il fait carrément le tour quoi. C'est ton droit de vue. Donc lui normalement on le contrôle. Par contre effectivement. Ils avancent. Qu'est-ce qu'on fait? On va reculer. Abritez-vous là-bas. Reçu. Déplacement. Mouvement. On a perdu le contrôle de la piste. Putain, il balance de la grenade, cet enfoiré. Flippant, Genesis, à nous parler là. Goliath. Merde, il est parti où le Goliath? Alors il est là-bas le Goliath, ok, très bien. Donc, du coup, toi, faut bah oui, tu vas rester là du coup. Et puis on va attendre de voir où est-ce qu'il atterrit pour. On peut pas le provoquer, parfait. Toi, tu es très bien planqué là où t'es. Contre moi, je suis beaucoup trop bien. Ok, alors maintenant qu'il est tombé, tu vas nous balancer un truc juste sous ses pieds. Faites cramer ces fumiers. Mise en place, un drone ami. J'ai besoin d'un appui ici. Toi, il faut que tu nous poses une histoire bouclier. Là-bas. Activation du bouclier. Ah, je sais pas ce qu'il nous raconte l'autre là, mais bordel quoi. Grenades, on a perdu un drone. Changement de position. Toi t'es très bien, par contre toi t'es absolument pas très bien. Recule ici, s'il te plaît. En déplacement. Tu vas nous faire un petit contrôle sur ce mec. Y a personne derrière lui. Non, c'est juste que tu t'es placé comme une merde. On est d'accord. Abritez-vous là-bas. Pose c'est là. Bon, j'y vais. Balance-nous un petit truc histoire de se détendre là. Lève, on défonce. Voilà. Alors le Goliath, il revient ou il revient pas? Oh putain. J'ai l'impression qu'il y a un peu de contrôle d'un saut. Bordel! Alors toi t'es bien, parfait. Tu vas nous balancer, bah non, tu vas attendre qu'il se bouge pour ne pas changer. Déployez un drone d'assistance! Détruisez-le! Je tire sur votre cible! C'est votre cible! Ah, d'ailleurs, tu veux même lui faire un petit. Affaiblissez ce blindage! Petit affaiblissement, s'il te plaît! Est affaibli. Il me faut le canon là. Merde, il est où ce con? On le voit pas. On va attendre qu'il se pose.
cette fois le Goliath y reste, on dirait. Repoussez-les. Reculez. Toi, reste là. Mettez-vous à couvert. Mouvement. Nous on va faire un contrôle mental sur un truc. Il est de notre côté. En position. Ouais. Cet endroit pue, chef. Ouais, j'avoue. Cet endroit pue carrément. D'accord. Je me mets en route. Un petit psychoïde des familles. Et toi, tu vas nous balancer un champ plasmique genre sous ses pieds, ça serait cool. Installation de champ plasmique. Ouais, le champ plasmique, ça fait bien mal. Merde, putain, j'ai pas du tout de munitions. Qui c'est qui gueule là? Eh, faut arrêter de crier comme ça, par contre. Mettez-vous à couvert. Déplacement. Détruisez-le. Sur votre cible. Je suis prêt. Il est bien avancé. Allez, en route. La vache. Allez, on recharge. Alors, le PM, non. On va préférer prendre ça. Oui, des grenades, je prends. Doc, il y a un moyen de lui couper le sifflet. À qui? Nous n'entendons rien. C'est peut-être Mosaïque qui essaie d'entrer en contact avec vous. Pourquoi pourrait-elle le faire? Et pourquoi avec moi? Intéressant, mais cette question peut attendre. Oui, on est d'accord. Pour l'instant, cette question peut attendre. Bon, c'était tendu, mais on s'en est plutôt bien tiré, je trouve. On va faire le petit tour habituel. On a quoi? Un PM, des grenades, très bien. Ici, des munitions. Parfait. Ils sont plutôt bien retranchés, les gars, quand même. Hein. Allez, on avance. Ah, ici, il y a un petit sac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sac? L'accélération cinétique. On les a déjà, ces trucs-là. Là. C'est quand même triste. On fait quoi? On appuie sur ce bouton? Ça ouvre des portes. Parfait. Allons-y. Alors, petit point de sauvegarde. Visiblement, on n'a qu'un seul chemin, donc du coup, bah, on y va. J'ai envie de dire. Personne. J'aime pas trop ça parce que je me souviens bien, ce truc là c'est des téléporteurs, donc en avoir dans mon dos ça me plaît pas trop, si vous voulez. Non, y'a vraiment rien à nulle part, ok. Pas en avant alors. Genesis. Ouh. Le prisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ce n'est pas vous que nous voulons. C'est le démon qui vous contrôle. Oula. Essaie d'être plus clair. Le démon se cachait depuis longtemps sur votre planète. À attendre, à préparer le jour où il se dévoilerait. La mallette, à Groom Range, qu'est-ce qu'elle contenait? À notre arrivée, il s'est éveillé et a choisi son prisonnier. Vous. Dévoile-toi, démon. Non. Dévoile-toi. Et sois à nous. Non. Qu'est-ce que tu es? J'ai été pareil.
toi, prisonnier d'un démon. J'ai rejeté la bête et l'ai obligé à me servir, à nous servir. Dans la quête de notre nouveau monde. Ouais, eh bien, ce monde reste le mien. Oula. Faudrait pas énerver quand même. Carter, où en êtes-vous? Démon. C'est la merde quoi. Je comprends pas. Carter, l'armature Venn a marché? Vous avez capturé Genesis? Genesis n'a plus la moindre importance. Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez, Carter? Laissez-le griller, il n'est pas ce qu'on pensait. C'est autre chose qui alimente Mosaic. Je vais capturer celui-là. Alors, capturer la créature. Tiens, ta gueule, moi je te capture. Grâce à mon super bracelet. Partez, Carter. Mon bras, c'est comme s'il voulait se détacher de moi. Ok, on se barre comme ça. Capturez le prisonnier. Barnes, vite. Reçu, on a vos coordonnées. Bien joué. Wow, la classe. Putain, il gère Barnes comme pilote quand même. Alors, état du groupe, y'a que moi, ok. L'opération Fissure dans l'univers a été remarquablement menée par l'équipe de terrain. Les informations découvertes sur place ont modifié les paramètres de la mission, entraînant la capture d'une entité inconnue à la place de la cible initialement désignée, le commandant en chef ennemi Genesis. On a découvert que l'entité inconnue constituait la source d'énergie du réseau de communication Mosaïque, elle a été ramenée au labo pour étude. L'explosion de l'engin expérimental a entraîné la destruction apparente du site. Generis est par conséquent présumé mort. Ouais, ça me semble quand même relativement pas sûr du tout, hein. Regagnons la base. Genesis est mort. Dire que cette victoire a été acquise au prix d'un énorme sacrifice serait un doux euphémisme. La tension est trop forte pour lui. Tenez bon, Will. On est tout prêt. Mais dire que la guerre est gagnée serait un mensonge. Les portails dimensionnels sont fermés. Tous. L'ennemi est désorienté, déstabilisé. Mais il est toujours parmi nous. Vous savez ce qu'il faut faire. Mettre la pression. Battre les forces ennemies qui restent. Reprendre la Terre. Voilà notre chance, mesdames et messieurs. Ne la gâchons pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Content de vous voir ainsi, Carter. On commençait à s'inquiéter. Ce n'est pas encore fini, Doc. Bien. Le directeur Falk me tannait pour connaître votre état. Il a besoin de vous sur le terrain. Cette guerre n'est pas encore finie. Ah bah, on peut pas se reposer deux secondes. Putain, sérieux quoi. On a capturé une espèce de saloperie à tentacules dans notre bras. Ouh, sympa la jolie ombre. Vous êtes redevenu vous-même? Quelque chose comme ça. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Après avoir capturé la créature, il s'est passé quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Dites-moi qu'on a eu Genesis. Assurément oui. Depuis la mort de Genesis et la destruction de leur commandement central, les communications de Mosaïque ont considérablement décru. Décru, mais pas cessé. Non, mais les restes de Mosaïque ne sont guère plus que des échos. Vous avez détruit le centre de transmission et capturé la créature qui l'alimentait. On fera avec ça. Et maintenant, il reste à comprendre ce que c'est que ce truc. Je travaille là-dessus. Ceci dit, une créature étonnante, non, Carter? Regardez-moi ça.
Alors qu'est-ce qu'on sait ? Ça m'intéresse moins que ce qu'on va pouvoir en faire. Oui, oui, bien sûr. Il est clair que cette entité jouait un rôle majeur dans la structure du pouvoir de l'ennemi. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'ici ? D'après mes études, elle est seulement constituée d'énergie. Elle n'a véritablement aucune forme corporelle. Mais comment est-ce possible ? Je n'en ai aucune idée. Elle ne ressemble à aucune créature terrienne ou étrangère qu'on ait rencontrée jusqu'ici. Les Xénons l'appellent un éthéré. Elle ne m'a pas encore dit comment elle s'appelait. Vous pouvez communiquer avec elle ? Non, rien encore. Mais toutes les créatures communiquent. Il me reste à trouver comment fait celle-ci. Maintenant qu'on a mis les Xénons dans les cordes, qu'est-ce qu'il faudra faire d'eux quand ils se seront rendus ? C'est un point de vue étrangement optimiste, William, car rien ne nous prouve qu'ils vont se rendre. Nous risquons de nous retrouver avec des milliers de cadavres. Mais dans le cas contraire ? Ma foi, qui peut le dire, en fait ? S'ils sont tous libérés de l'influence de Mosaïque, peut-être que certains s'intégreront à notre société. Je suis impatient de le découvrir. Ça me paraît tendu quand même, hein ? Vous savez pourquoi je suis tombé dans les pommes ? C'est à cause de cette créature. Une idée ? Oh, mais je foisonne d'idées, agent Carter. Laissez-moi vous faire part de la principale. Donnez-moi la version courte, vous voulez bien ? Il est possible que cette créature, l'éthérée, soit la première chose à pousser le système Venn à ses limites. Alors quoi que ce soit, c'est plus complexe que tout ce qu'on a pu affronter jusqu'ici. Tout le noyau de Mosaïque, elle n'avait vocation qu'à contenir et maîtriser le pouvoir de cette créature. Je n'ai rien constaté chez les Xénons qui soient capables de rivaliser. Je me demande d'où elle vient alors. En effet, ça soulève de nouvelles questions au sujet de Mosaïque. Très bien, Doc. Il faut que j'y aille. J'ai une guerre à gagner. Certainement. Et je ne manque pas de questions sur lesquelles méditer. Quand vous aurez des réponses, appelez-moi. Ça ressemble vaguement aux avatars de XCOM 2, mais en... pas tout à fait pareil, quand même. Bien. Bon, bah, visiblement, ils sont tous passionnés par... la créature, ce qui peut se comprendre, hein. Vraiment de l'autopsie, putain, mais on va pas arrêter de vouloir tuer tout le monde. Est-ce que le prisonnier peut nous apprendre des choses intéressantes? Ah tiens, il est plus là. Oula. Alors, eux ils ont carrément capturé un Goliath, quoi. Vous avez pas peur, les mecs. Ouais. Je crois qu'il fallait le calmer là. Le mec il reste devant tranquille à regarder défoncer la porte. Pas de soucis. Le prisonnier a plus l'air d'être là, c'est dommage, j'aurais bien posé quelques questions. Ah bah si, pourtant il est toujours là. Visiblement on lui fait suffisamment confiance pour plus mettre de garde. Vous êtes en vie et Genesis est mort. Alors mon peuple est libre, mais il reste condamné. Maintenant qu'ils ne sont plus contrôlés par Genesis, tu pourrais peut-être les amener à se rendre. S'ils le font, on pourra les aider. Vous nous autoriseriez à coexister sur votre terre ? Ah, cette bouche super zarbe. Je peux rien promettre. Les humains ne sont pas prêts d'oublier ou de pardonner. Mais une reddition serait un premier pas. Sans la promesse d'un nouveau foyer, nous ne nous rendrons pas. Nous sommes dans une impasse. C'est vraiment dommage. Mais si je peux faire quelque chose pour aboutir à un accord... J'essaierai. Est-ce que la destruction du réseau aura un effet sur les humains infectés, les hypnotiser ? Mosaïque ne les contrôlera plus. Vous pouvez en être certain, mais je n'ai pas de remède à vous offrir. C'est dommage. Si vous aviez un remède, les gens accepteraient plus facilement votre reddition. Je vous le proposerai volontiers, mais nous ne nous sommes jamais préoccupés de créer un remède. Pourquoi l'aurions-nous fait ? Tu as largement coopéré, je l'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Je n'ai jamais décidé de mon sort. Il a toujours été défini par d'autres. Genesis, Axis, une légion de commandeurs. Tu nous aiderais à chercher une issue pacifique à la guerre ? Si l'on peut trouver un foyer pour mon peuple, je ferai ce que je pourrai. T'es un type bien. Attends, c'est quoi ton nom ? Les miens n'ont pas de nom. On nous appelle selon notre fonction. Je suis un Drezofer, ou observateur caché dans votre langue. Aide-nous à conclure pacifiquement cette guerre, et tu seras libre de choisir ton nom.
Bon, on bouge pas d'ici. Si la guerre continue, on aura peut-être besoin de toi. Je crains que ce soit le cas. Bon, ça serait bien d'avoir un petit point de sauvegarde, parce que l'épisode commence doucement à être long. Allez, allez. C'est quoi notre objectif d'ailleurs ? Ah oui, on avait des mecs qui sont rentrés, donc on a un mec qui a monté de niveau et on a gagné un sac à dos. Les améliorations du système de carbone de l'Avenger, ok. Alors, sac à charge rapide, durée de récupération de toutes les aptitudes nettement réduite. Parfait. Et donc du coup, on doit aller par là. Voilà, quand on y par là alors. Hein. Il paraît que vous nous avez amené un nouveau visiteur, Carter. Allez, en petite foulée, en petite foulée. J'imagine qu'on ne restera plus coincé ici que longtemps, hein. Coincé ? Depuis que Falk a fait le bouclage, on peut aller à la surface s'il le faut. Comment ça va, Carter ? Vous êtes en état ? Un peu en vrac, mais ça ira. Renvoyez-moi là-bas, qu'on en finisse. Bien. Affichez la carte. On a du pain sur la planche. Bon, ok. Donc en gros, faut qu'on lance une mission. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. On regardera les missions possibles la prochaine fois. Donc je vais voir si je fais des épisodes toute la semaine de The Bureau. Ça dépendra de mon temps. Si jamais vous avez envie d'en voir, et ben n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.